Le député national Paul Muindeau a déposé, jeudi 5 avril au bureau du président de l'Assemblée nationale, une motion de défiance contre le ministre de la Défense, Crispin Atamatab. Il estime que les Congolais continuent à mourir à Beni, Lubero, Butembo, en Ituri et dans le Tanganyika, parce que le ministre de la Défense ne fait pas son travail. Aujourd'hui, si les gens continuent à mourir à Beni, c'est parce que nous n'avons pas d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons initié une motion de défiance contre le ministre de la Défense et ancien combattant pour inefficacité dans les opérations au niveau de Beni, a expliqué Paul Muindeau. L'auteur de la motion de défiance invite donc le bureau de l'Assemblée nationale à ne pas chercher à protéger le ministre visé, mais plutôt à respecter le convoqué dans 48 heures, tel qu'exigé par le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse. Nous voulons bien que le ministre vienne dans les 48 heures comme l'exigent les règlements. Et nous allons être stricts. Nous savons que quand des motions incidentielles sont souvent rejetées, a indiqué le député Muindeau. Il a appelé à la conscience de ses collègues députés pour protéger leurs électeurs. Ce sont vos électeurs qui sont tués. Nous devons nous prendre en charge en demandant à ce monsieur de quitter ce poste et qu'on mette quelqu'un qui est compétent et qui sera en mesure d'appliquer d'autres politiques pour mettre fin à l'insécurité, a souhaité Paul Muindeau. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.